Ok. Mieux qu'un coup de berne. Ça y est? On y est? Ça y est, c'est le jour J. It's a D-Day. C'est le D-Day tant attendu. Mais le D-Day, ou en général, c'est toujours très compliqué. On vous a pas filmé le lever dans Land Rover parce qu'il faisait froid. Le chauffage s'est coupé cette nuit. On l'a pas rallumé parce que tout le monde avait la flemme de la rallumer. On attaque la pêche tranquillement. Malgré qu'on ait dormi sur le secteur, bah il y a déjà pas mal de pêcheurs. Donc bah on va essayer de glisser nos leurres un peu mieux que les autres pour essayer de faire quelque chose d'un peu mieux que les autres. Bon ça! Putain, non, ouais, c'est bon ça? Yes! Check! Chabot, check! 43! On est linéaire au chabot. Et voilà! Si ça va. Ah, la moitié! Ok, une ouverture qui commence bien. Bah écoute, oui, petit chabot, tac, t'as fait ton petit linéaire, tac, petite accélération, bam, tac, pendant 43. 43, voilà. Au bout d'une dizaine de lancers, donc c'est pas mal, ça commence c'est, bien. C'est... Le but, de toute façon, on a dit objectif une par personne aujourd'hui, donc. Voilà. Bah toi, voilà. Tu peux rentrer. Maintenant, bah je peux filmer. Ah, tu peux filmer. Bah, donc c'est-à-dire cool. Qu'on va avoir du poisson et en plus des belles images, quoi. Oh. Voilà, c'est top. Allez, allez, Kéké, va. Allez, filme. Je vais. Alors, on bat les couilles de moment. Hey, mec. Tu es au courant que tu feras pas de poisson si tu continues à pêcher un minex? C'est bon moment? Pas le combat. En direct là. Bon bah. Au top? Ouais. Pas de finesse. Proto. Hein? Bah le proto a l'air pas mal, Momo. Ouais, il est validé. Alors proto idex, en poisson nageur. C'est un... à mesure. Premier truc pour Momo de l'année, 48. Un joli poisson. Poisson nageur avec la petite bait finesse, petite bait finesse de cette année. Il s'est mis au bait finesse, il a kiffé. T'es stadipeuse aussi, Kala. C'est des poissons en pleine forme. Des vraies prédatrices. Qui sont vraiment ichthyophages, calés sur des verrons, des pseudo-rasbora. Bon Momo, deuxième? Ouais, deuxième poisson. Même endroit? Ouais, même caillou. Plus gros celle-là? Elle est massive, ouais. Ouais elle a ces petits 2 cm de plus, je pense. Ouais, très grosse touche, on voit que c'est piqué sur le triple ventral. Elle voulait en faire son demi, tu sais. Donc, super poisson avec les ouïes bleues électriques, là, c'est vraiment. Et donc une première pour toi aujourd'hui? Ouais, première, c'était un peu ma volonté 2018 et pour l'ouverture, j'avais envie de tester ça. Combo bait finesse, donc avec un leurre de je crois 9 grammes, ça part tout seul. Au niveau sensation, c'était génial. J'avais un peu peur pour le frein, là ça n'a pas bronché sur un poisson de 47, je pense d'un kilo 2, 1 kilo 5. Mais j'ai vraiment envie de continuer pour le coup, donc c'est très bien. C'est un peu difficile à prendre en main, faut surtout tout à l'heure dans le noir, un peu, faut bien avoir le coup quand même, avoir pêché un peu en casting avant. Mais je suis content, c'était cool. Un objectif 2018 atteint. Et ça va, c'est pas trop léger? Ouais, de pêcher avec des petits.
petits leurres comme ça sans casting? Non, ça part bien. Pour le coup, le moulinet baie de finesse est vraiment fait pour des leurres, on va dire de 2 grammes, 3 grammes. Après, en dessous, c'est difficile à lancer. Là, le leurre fait 9 grammes, ça part tout seul, ça tourne bien, c'est léger. Le combo pèse 300 grammes à peine, je pense. Donc rien à dire. J'ai l'impression que pour l'instant ça fait PN2 et leur souffle 1. Hein, il va falloir qu'on se bouge le cul. Allez Kéké. Les nouveautés sont à l'honneur. Donc... Ouais, par contre voilà, c'est que de la nouveauté, que de la belle, que de la grosse. On valide des choses. C'est le temps d'apprendre aussi comment fonctionne exactement le leurre. Bon bah une jolie petite boîte Ilex ça, maman. Beaucoup de PN coulant, c'est ce qu'on avait observé qui marchait bien. C'est quoi nouveauté maman? C'est bon, on en a entendu beaucoup parler. C'est le Flat Tricoral 55S. Donc un leurre coulant, des gros flancs plats, une grosse présence. Grosse vibration, je pense que ça peut faire bouger du poisson là. Et ça tranche un peu des autres pêcheurs qui sont à la tournante. Et... Ça c'est joli ce moment, c'est quoi? Ça c'est Squad Mino HW. Nouveau aussi ça. Heavyweight. Non, c'est un leurre qui se fait plus, qu'on trouve plus trop. Qui est très lourd, que j'adore. Bon, c'est vraiment une pierre et il est très nageant et très ludique à animer. Et j'aime beaucoup ce leurre pour les belles truites. Une belle boîte qui fait rêver quelques pêcheurs ça. Enfin pour les pêcheurs de PN. Bon Christian, propre? Ah ouais, propre. Combien du coup? 68. Grosse suite qui m'a mis une touche juste là au bord. Et un régal. Magnifique. Une bête de puissance. C'est fou. Ouais. Yo! Parce que les tons 8 cm mon pote. Ouais c'est ça. Non non elle est plus grosse. Elle est plus grosse que tout à l'heure. Non, j'ai pas beaucoup de bas de ligne. Ah c'est ça qui est bon. Il est où yo? Tu stresses? Franchement, elle veut pas venir dans l'épisode. Autant je t'aurais dit je vais doucement en attendant que t'arrives pour filmer, mais non, elle veut vraiment pas. Tu l'as dit tout à l'heure au T6. J'ai dit je vais passer au squeletton 8. Je pense que c'était bonne pioche. Bah écoute, ça a l'air de fonctionner. Yeah, c'est bon ça! Merci mon pote! Bien wesh! Elle m'a fait un combat magnifique! 49. Alors, je pense que le vent risque de compromettre cette session. On peut aller boire des bières. Was brave enough yet just to talk.
Un peu bon pour parler. Santé les gars. Santé les gars. Santé.